Ascolta. Qual è il tuo ruolo? Questa è la prima domanda che ti voglio fare. Qual è il tuo ruolo a centrocampo? Voilà, j'essaie d'apporter pour cette équipe de la Zimmerman. Voilà, je suis arrivé dans un nouveau club, dans un nouveau championnat aussi. Et je vais tout faire pour donner le meilleur de moi-même et aider l'équipe à aller plus haut possible. Mais du point de vue tactique, pour lui dire d'avant, qu'est-ce que ça t'en rend compte dans son but à l'aise? Je peux jouer à plusieurs postes au milieu de terrain. Je peux jouer 6 devant la défense, comme j'ai joué le dernier match contre Cremonese, ou sinon au milieu relayeur. Mais j'ai une préférence pour jouer au milieu relayeur, mais ça me pose pas de problème pour jouer 6 devant la défense. Sono capace di coprire più ruoli, come ho coperto in Coppa Italia con la Cremonese davanti alla difesa, o altrimenti come a centrale di centrocampo, dove preferisco giocare generalmente, ma sono a disposizione e posso coprirli un po' tutti generalmente. Volevo chiederti questo. Come mai si è interrotto il tuo rapporto con il Monaco l'anno scorso? Dopo tanti anni sei arrivato in una grande squadra e hai fatto 2 stagioni, mi pare, e poi si è interrotto questo rapporto. Come mai? Oui, ça a été difficile pour moi de quitter Monaco, parce que Monaco, ça reste un grand club en France, ça reste aussi un grand club en Europe. Voilà, aujourd'hui j'ai 31 ans, je voulais découvrir un autre championnat, je voulais tenter autre chose que la France. Et l'AS Vérone me donnait la chance de venir jouer dans ce club. Et aujourd'hui, je suis très heureux et très content d'être là. Et je regrette pas mon choix. E j'espère che cette année on fera une belle saison. Sicuramente il Monaco è una squadra importante e il campionato francese ha un ruolo importante e è stato importante giocare per loro, però io avevo voglia di cambiare, avevo voglia di provare qualcosa di nuovo. L'Hellas Verona mi ha dato l'opportunità di farlo e sono veramente molto contento di giocare per questa squadra e non ho nessun rimpianto riguardo alla mia scelta. L'ultima cosa che ti volevo chiedere è questa: il calcio, cioè il mondo del calcio, ha visto fino adesso il miglior Obadi, o tu pensi di poter migliorare ancora e magari di esplodere proprio a Verona? Est-ce que tu as encore la possibilité de t'améliorer? Est-ce que le monde du foot a vu le meilleur Obadi ou il y a encore quelque chose à dire pour t'améliorer? Oui, bien sûr. On peut toujours progresser à n'importe quel âge. Et moi, je suis venu ici à Hellas Vérone pour progresser encore, parce que voilà, c'est une bonne équipe. Il y a des très bons joueurs dans cette équipe. J'ai envie de progresser, d'aider l'équipe à aller le plus haut possible. Et je sais que je suis arrivé dans un championnat qui est difficile, mais le championnat de France aussi est un très bon niveau. J'ai côtoyé des grands joueurs et aujourd'hui le championnat italien ne me fait pas peur et je suis prêt pour ce défi. Sicuramente c'è sempre la possibilità di migliorare e venire qui nel campionato italiano sarà per me l'opportunità di migliorare, è un campionato molto forte, io non temo il livello di questo campionato e sono convinto che anche con la presenza di molti giocatori forti io possa dare il mio contributo e farmi valere.